Hello les amis, on se retrouve pour un troisième épisode sur Crusader Kings 3 sur la bataille pour l'Ibérie, bien sûr, pour essayer de recréer l'Espagne et le Portugal avec énormément de détresse et de difficultés. Je pense qu'on va pas avoir grand chose à faire dans cet épisode là car notre cher Guifré le Velu est décédé et on a pris sa place avec la fille, hein, Jéromira, soutenue par sa mère, hein, bien sûr, Jéromina machin chose. Et âgée maintenant de 6 ans, je crois qu'elle avait pris le trône à 2 ans lors de l'épisode précédent. Mais maintenant, il faut qu'on arrive à créer de l'activité. On va avoir énormément de problèmes. Le plus simple serait, je vous partage, de faire une petite guerre de royaume, faut pas exagérer. Deux duchés serait bien sympathique. La seule souci, c'est qu'il faut de la piété. La piété, on n'en a pas beaucoup pour l'instant. Donc, bien sûr, on peut le faire de comté, mais comté, bah, pareil. On aurait... toi ici pareil, la même chose, pas mal de choses à pouvoir conquérir, mais nous n'avons pas les possibilités. Et ensuite il y aurait des revendications qui seraient ici, qu'on pourrait faire pour pouvoir la partie Malaga. Ça reste faisable, ça reste faisable. Lui il est sans allié, donc on a un allié de taille, si vous vous souvenez bien, le petit roi Alfred de Wixès, qui est plutôt bien armé avec ses 2500 troupes. Hein. Pour l'instant, il est sans guerre. Donc, on pourrait travailler là-dessus. On est dans une difficulté quand même très forte. On n'a pas de... Bon, certes, on a des comptes, des alliances qu'on peut tenter de faire, mais je suis même pas sûr que ça puisse le faire. Voilà. On n'a pas de sous. On est tout petit. Quand on est tout petit, on a peu de possibilités. Et on va galérer sur pas mal d'aspects. Avant toute chose, je voudrais vous signaler d'essayer de rejoindre le Discord si vous voulez, pour pouvoir échanger sur pas mal de jeux, de nous rejoindre sur les différents lives et autres réseaux. Hein. Twitch a repris l'activité très très forte. Si vous avez un Twitter, n'hésitez pas aussi à me rajouter. Vous verrez ça dans la description. J'y mets pas mal de messages, partage des tips. Sur le Discord, il y a pas mal de bons plans qui sont partagés pour faire des économies. Et je vais tenter de relancer quelques petites giveaways. Avec Néo, nous tentons d'en faire de plus en plus. Alors, on va reprendre la partie dont nous en étions. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Nous n'avons pas de médecin, mais j'ai pas de sous. On laisse tomber. Le contrôle comptal, il est faible ici. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Toi, tu es en train de faire le contrôle de celui-là, qui sera fini bientôt, pourquoi pas. Après, on fera Barcelone. Il est très très faible, même je pense qu'on va y passer directement. Il est à combien? Chance d'éliminer la corruption. Lui est tout dégueu. On va augmenter celui-là parce que c'est en sort. Barcelone avec Urgès, ça doit être les comtés qui nous rapportent le plus. Bon. On devait travailler l'opinion. Donc, au terme d'opinion. Alors, j'avance le temps très très vite. Hein. Donc, toi. On va essayer de te faire. Le problème, c'est qu'on peut pas parler avec beaucoup de monde. Parce qu'on reste très très vite embêté. On va vraiment être en galère pendant un bon petit moment là-dessus. Ma mère dit parfois des mots en langue de Tchécoslovène. Et je m'aperçois que je progresse dans ma compréhension de celle-ci. Je suis sûr que si je faisais l'effort, je pourrais converser. Bon, on n'a pas de stress pour l'instant et ça doit nous faire monter. Peut-être pas grand chose, qu'un ennui, vous perdez en stress, on n'en a pas, donc ouais. Submerge. Oh, le niveau du stress. Ah si, j'étais quand même pas mal stressé. Je dois m'endurcir. Allez hop, on fait monter un peu plus le stress, mais on va quand même calmer tout ça par la suite. Je ne m'inquiète pas, on devrait y arriver. Elle va se déstresser la petite, ne vous inquiétez pas. Là, ça va être la partie la plus tendue. On risque de se faire attaquer. Potentiellement. Les menaces sont peut-être encore faibles. On va le faire avec. Faudrait qu'on arrive à renforcer notre armée. Idéalement, j'aimerais bien faire un pèlerinage, mais à notre âge, on ne peut pas. On ne peut pas faire un pèlerinage. Lui, tu dis, vous n'avez pas accès à courir, vous n'êtes pas roi ou empereur, donc pour l'instant, on est bloqué. Oui, parce que j'ai fait une évolution dans le jeu. Les DLC Cour Royale et celle nordique, je ne sais plus le nom, a été rajoutée. Lors des premiers épisodes. Donc voilà, je remercie Interactive Paradox pour m'avoir filé les clés et pouvoir vous les présenter.
ici même. Nous sommes à quel âge ? 8 ans, ça avance. Ça avance, on commence à se faire un petit peu d'argent. Toi, t'as quoi, toi ? Toi, c'était ça. Ça me plairait bien hein, de faire une attaque comme ça. La piété, je peux pas faire grand-chose. Est-ce que je peux... 16 ans. Oh ! Maman, on va tenter un truc comme ça. Tenir le complot, oui. Alors, ouais, il est pas si vieux que ça, donc ça peut être intéressant. Est-ce que je peux... Problème de culture. On peut pas, de toute façon. Lui, il peut pas. J'essaie de trouver des petites solutions pour pouvoir nous faire avancer dans l'histoire. On va avoir énormément de mal à conquérir tout ça. Je peux pas faire venir des gens dans notre cité. Et si on le fait, on va perdre des sous. Ah, le pèlerinage. Vous êtes enfants, voilà. On ne peut pas. On est enfants, on est enfants, on est enfants. Donc quand on est enfants, on est très très... Tous les enfants du pays, d'un certain statut, ont été invités à s'amuser à rencontrer, vous récompenser de l'opinion. Ouais, mais l'opinion, je pense qu'avec le temps, il peut s'améliorer aussi. Ouais, je vous dis, le plus simple, c'est de faire la guerre. Limite atteinte. Piquer. Ça oui, moi c'est à part la guerre il y a que ça de vrai, et après on va même pouvoir faire une attaque en bas. Je m'enseigne bien, parfois je l'entends parler. Moi je pensais pas regagner du stress, en fait il va nous en refaire gagner. Ah dommage, je ne parviens pas à apprendre la langue, dommage. Donc ça c'est à moi. Donc on va peut-être essayer d'attaquer lui. Non, c'est pas lui que je voulais attaquer. Après, vous obtenez le train, vous regagnez, de toute façon on gagne un tout petit peu. Un peu de gloire, un peu de machin, ça coûte cher, mais bon. Ça coûte tout aussi cher si c'était un autre. Faut bien un peu d'animation dans la partie. Alors... On va tout lever. L'armée était peut-être pas complète, mais c'est pas grave. Pour l'instant, on n'appelle pas d'alliés. On va tenter de faire 100. Ça va nous coûter même cher en, en bateau. Je sais même pas si on va être en capacité de faire la guerre en fait au final. On verra bien comment ça va se passer. Même pas sûr de gagner. Je suis même pas sûr votre conseiller est mort. Sympa le maréchal. Ouais, ben même regardez, on prend une débâcle là. Alors, on est pas mal barré dans tout ça. Hein. Ne vous inquiétez pas, on va résoudre ce problème là. Notre Nova nous rejoint, il va prendre un certain temps parce qu'il vient de. Il vient de loin. Mais au moins, ça va nous permettre de rattaquer. Votre oncle, vous pouvez proposer un otage, ça non. Vous êtes en dette pour l'instant, on peut pas faire grand chose.
Voilà, on va faire dodo, c'est logique. En fait, lui, il s'était pas embêté, il avait démobilisé. Ah, de toute façon, ça fait 3 mois quand même de perte. Il se cache où maintenant, lui? Ouais, il est passé par l'Atlantique total. Hein. Il n'a pas fait semblant. Jeu favori. Alors, n'ayez pas peur. Retrouver. Donc là, c'est vous devenez brave. Ça, c'est bien brave. C'est quoi ça? C'est entêté. Non. Autant que je sois brave, dis donc. Vous avez été depuis. Alors, à première vue, on peut frapper la duchesse, c'est qui elle? La vassale ici. Celle à qui on a pris le trône. J'ai combien de temps? 11% de chance, vous la battez à mort. La duchesse est tuée, 11%. Vous êtes tué par... J'ai 0% de chance d'être tué. 0% de chance qu'elle soit mon ennemi. 29% de chance qu'elle soit ma petite brute. 70% d'être pas trop embêté. On se la joue funky. Et mince. Et mince, la proba fait qu'on a perdu. Ah non. On va galérer. Franchement, le start, il est horrible. On va attendre qu'il apparaisse là. On y va ensemble. Il va faire apparaître normalement ses troupes et on devrait pouvoir lui prendre ses terres. Logiquement, on va largement gagner. Il n'y a pas d'ambiguïté. Ah. Il n'y a pas de libération, il n'y a pas de libération possible. Toi, t'as que des stats de crotte, donc ça sert à rien. Même le compte, malgré tout, tu pourrais tenir ici, ça serait pas trop mal. Ouais. Et toi, t'avais quoi comme stats? Érudition et le reste. Vassal fort et un vassal fort, ouais, ça me plaît moyen. Pas trop de possibilités. Notre petite a commencé à devenir grande, elle a 10 ans. Bientôt l'âge de se marier. À cette époque, hein. Pas maintenant. Hein. Dans l'ère moderne, c'est plus acceptable et c'est tout à fait normal. J'essaie de voir ok. Diarc. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre ici? Donc là, on avait eu le trait chahuteur et brave. Brave, c'est bien pour la partie guerre. Vous avez fait un prisonnier. On a plus les exigences, on termine. Voilà, on prend les troupes, on les disperse avant de se faire avoir. Toi, tu nous appartiens, on est d'accord. Non, c'est la terre elle-même. Pas pertinent. Le but c'est que je le laisse dans la famille. Toi c'est votre sœur. Donc c'est ma sœur. Je vais essayer de le donner à ma sœur. Tu l'as raté. Je peux pas donner à ma soeur, va dis donc. Et je peux pas, mais pour l'instant, si je peux pas, je garde. Hein. Donc là, c'est dès qu'on aura assez d'or, on pourra le créer. Hein. De toute façon, c'est cher. C'est pas pour de suite, on va récupérer de toute façon notre argent au fil de l'eau. Faire pencher l'équilibre des pouvoirs car votre mère gérant accumule de l'influence, ça. Attendez, qu'est-ce que c'est ça? On n'a rien. On n'a rien, on a ni or ni machin, tout ça, donc on va faire 100. On reste bloqué là-dessus.
4 ans pour le contrôle comptable, ça c'est bien. Là, il nous rapporte combien, toi? Toi, quasiment rien. Ouais, alors attendez, toi. 100%, 100%. Je vais tenter de faire ça pendant au moins 4 ans pour essayer de faire remonter un petit peu. Et ensuite voir comment on va faire le reste. Dernièrement, le fardeau du règne a été plus pesant que d'habitude et ma mère semble l'avoir remarqué. Le repos est exactement ce que j'ai besoin, c'est ça. Toi, je pense qu'on va désactiver car la propriété. La chaude là du domaine, c'est pour ça, on est vraiment embêté par ça. Qui est de ma famille? Toi, votre cousin. Après, il devient mon vassal, hein, normalement. Hop là, comme ça. Il me casse pas. Et en plus, on fait un déverrouillage de ça. Coutume, tolérance, curiosité et compréhension. Puissance du composant, apprendre la langue, plus 20. On peut tenter d'être polyglotte. Ouais, ça pourrait être pas mal. Alors on part là-dessus. On va essayer de faire tout ce qui est coutume. C'est un aspect pas habituel que je fais, donc pourquoi pas. Sachant que je suis en complot pour apprendre la langue de celui-ci, donc normalement, ça devrait être que renforcé. La langue de haute allemande. Voilà, c'est une langue comme une autre, hein. Pas de jugement à avoir là-dessus. Qu'est-ce qu'il va nous falloir par la suite? Pour l'instant, ben rien du tout. On reste bloqué. Donc un défi diplomatique sur lequel j'ai aucune chance de gagner. Donc non, j'avais perdu un peu de stress, donc tant mieux. Après, il y a malgré tout, il faut que je me trouve un mari. Et il cherche forcément dans mon royaume. Et ça, c'est pas forcément ce que je souhaite. Ce que je chercherais, c'est peut-être plus quelqu'un qui serait filiforme. Non. Regardez la tranche. Ah non, ça, il a pas trop marqué lui. C'est des traits négatifs, ça c'est une petite taille. On voit la différence. C'est grand. Mais en fait, ils ont que des traits qui ne vont pas en fait. Ouais, l'alliance. Opinion vers moi. Gain de prestige, t'as qui me fait gagner du prestige là-dedans? Toi, t'es sans terre et tu me fais pas gagner de prestige, toi. Alors, attends. Toi, t'es qui? T'es gallois. Lui, il a énormément... Oh, toi, t'es pas mal, toi. En matrilinéaire, en plus. Toi, t'es qui? Un courtisan, mais qui a pas mal de revendications. Oh oui. Ça, je le prends. Oh oui. Ça va nous faire monter le royaume de France de manière conséquente, potentiellement. Et ça peut être cool. Maintenant, il faut qu'on avance dans le temps pour arriver très vite à un âge où on peut user de cela.
Palace. Il nous fait pas gagner grand chose. Barcelone un petit peu. Ouais, bah allons-y. Il y a quoi? Il y a des jeux, des rencontres. Ouais, bah allons-y. Non, on va pas pouvoir y aller, on n'a pas de sous. On n'a pas de sous. Un maître cavalier. Il y a qui en maître cavalier, en maître carabinier là-dedans? Attendez, j'avais un truc. Hop là. Toi, t'es pas mal. Ok, bon, on gagne des sous, tant mieux. Donc le trajet, il est où? Quel est le problème qu'on a? C'est quoi ça? Il y a tout ce qui est montagne. Qu'on résout quasiment tout. Et un lieu périlleux. C'est quoi ça? Centre village, forêt, tout ce qui est forêt. Envie de vous dire que c'est pas mal, sauf que nous sommes qu'en mois d'août, on n'a pas de sous. Et en autant de temps, malheureusement, on va peut-être pas pouvoir débloquer l'argent. J'aurais bien voulu, mais j'ai pas de sous. Et j'ai aucune manière d'estorquer des sous, de par le fait d'être un enfant et que ça bloque beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Collecter les impôts, là c'était les affaires intérieures où toutes les stats commencent à être bonnes, ça c'est bien. On a peut-être même réduit les factions dangereuses. Toi t'es dans mon conseil ou pas toi? Ouais, toi t'es dans mon conseil, c'est pour ça que la pression monte peut-être pas finalement. Bon, mais finalement on pourra pas faire la petite rencontre qui nous est proposée. Ça c'est bête. C'est bête, c'est bête, c'est bête. On trêve encore. Il y aura encore 4 ans. On va être patient là-dessus. On ne pourra pas attaquer immédiatement. De toute façon, on n'a pas de sous, donc il faut qu'on fasse remonter les sous. Le criminel, à travers les rues, mon tuteur et moi, nous passons à côté du pilori. L'homme y est attaché et implore de l'eau et une aide quelconque. Criminel ne devrait pas être. Vous gagnez arrogant. Prestige plus 1. L'opinion, je vais lui chercher de l'eau. Compatissant. Diplomatie. Ça fait gagner des points de. Non. Sans cœur, non plus. Un déclin de la. Ouais, ça potentiellement pas trop gênant. Là, on gagne quand même pas mal de. Ouais. Compatissant, c'est pas un trait trop dégueulasse et ça nous permet d'avoir un peu de diplomatie. Les intrigues, moi personnellement, c'est la partie où que je galère le plus. Donc à partir de là, faut mieux peut-être travailler sur la partie diplomatie. Par la suite, qu'est-ce qu'on va avoir? On va monter le temps. Encore 9 ans. Une faction dissoute, ça c'est cool. Sous ma peau de serre, je m'endors dans la brume chaude. Je me réveille au milieu de la nuit, la poitrine haletante et la peau chaude. Je n'ai jamais ressenti ça avant. Serais-je malade? De quoi ai-je rêvé? Tout ce dont je me souviens, c'est... Un superbe garçon. Donc pour être homosexuel, une jolie fille pour être homosexuel. Une jolie fille ou un superbe garçon ou personne asexué. Mais on a quand même choisi un garçon. Donc on va quand même mettre un trait classique de garçon. Attiré par les deux sexes. C'est peut-être pas gênant de se mettre comme ça. Je crois qu'on le voit le symbole, il est là, voilà. Bisexuel, ici. Ouais. Ça aurait pu être drôle de tenter un petit peu un truc exotique.
Je suis prêt à libérer, mais la libération s'obtient pas gratuitement. Réfléchissez à moi. Obtiens-en et paye votre courtisan. Il a quoi comme stat? Du clean. Pas qu'on est sans cœur, mais pour l'instant, voilà quoi. C'est pas le plus indispensable. Donc toi, tu aurais voulu être un artiste, pouvoir faire un numéro. Donc non, pas intéressé. Pas de sous, pas intéressé pour l'instant. Ok, bon, ben on avance le temps. Donc elle avait 6 ans en commençant, elle est à 12, donc on avance vite. Hein. Elle essaie de vous obtenir de l'or, à dépenser de la piété. Pouvoir à cause de 19-1-1-1. À remplir son mandat. D'accord, elle a essayé de m'obtenir de l'or. D'accord. Et toi, t'es mon fiancé, donc. T'es un trait vigoureux, donc ça c'est bien parce que notre progéniture pourra potentiellement avoir ce trait-là et ça c'est cool. Bon, j'ai choisi quelqu'un qui est orientation homosexuelle. Ça peut être gênant pour avoir des progénitures. Ça, on verra par la suite. Comment ça va se passer, si c'est vraiment gênant ou pas. Jusqu'ici, tout va bien. Là, on va repasser sur le contrôle de Barcelone. Parce que je pense que Giron ne nous rapporte pas beaucoup de sous. De toute façon, Giron ne nous apporte rien. Même s'il faut le faire monter. Seigneur Lee, j'y fais plaisir quand même. Hein. Ça fait survivre quand j'étais enfant. Le regard. Mon humour se dégrade. Ah ben forcément qu'on va se faire la tronche, hein, une petite bagarre. On voit qu'ici on a en. Ah y a pas. Elle est petite brute, c'est pas notre rival. C'est ça. Et notre sœur, elle est. C'était une jumelle. Avec elle, qui était jumelle. Elle a quelques petits traits, pour l'instant elle est autoritaire et inconstant, qui n'est pas parfait, mais de toute façon le but c'est qu'on fasse une longue partie avec, avec la duchesse ici et qu'on arrive à avoir un héritier peut-être de qualité, si on peut dire ça comme ça. Donc les revendications, on va les laisser. Fondement mental, qu'est-ce que c'est? Je vais corriger ça, que je n'éprouve plus que de la satisfaction. Ça c'est bien ça. Athlétique, c'est bien. Le reste, c'est nul. Direct. Ça, c'est une belle qualité. Alors, j'ai étudié l'un pendant que de nombreuses lunes, et voici une lettre que j'ai personnellement rédigée à votre... donc il est superviseur, donc ça, il a un petit peu porté sur la boisson, mais il a de super stats en tout cas. Il est quand même marié à ma soeur, ben voilà. Ah, j'ai fait un petit truc un peu sagouin, mais bon, ça passe bien. Et j'aurais bien voulu participer à une grande tournée. Sauf que il est bien drôle, mais j'ai pas de sous. Ouais, je vais directement chercher de l'or, moi. Et tu crois quoi? Sélectionner la destination. Il considère qu'il y a du danger chez moi même. C'est quoi comme danger ici?
tout ce qui est collines. T'es que des collines là. J'ai pris Montagna. J'ai enlevé les gros points. Après c'est des plaines. Qu'est-ce qu'il me faut là en plus? Ouais, c'est qu'il a peur de faire attaquer en fait. Le problème c'est que là je suis même pas sûr d'avoir les sous. Voilà le problème. On est vraiment bloqué dès qu'on n'a pas de sous. Ah oui, je peux pas faire la grande tournée là. Je peux pas faire la tournée des cuviers là. Après elle est un peu jeune pour le faire. Donc ça tu ne peux pas. Bien évidemment. Le pèlerinage. Et encore une enfant. En tout cas, je peux peut-être faire une petite guerre de religion parce que là on a quand même pas mal de piété. Et ici. Qu'est-ce qu'il me propose là? Là, t'es bourrin, hein. Si je m'attaque à lui, moi, ma petite personne, 13 ans, une fougue pas possible, c'est certain, mais non, non. On va jouer notre petit secteur, déjà. C'est combien qu'il faut de piété? 160, on n'est pas loin, hein, on n'est pas loin. Donc on va plutôt se donner encore du temps. Pareil, ça, si on fait le 160, pour moi, il faut le 160. Ouais, faut qu'on travaille là-dessus et on devrait pouvoir se permettre ce petit plaisir-là. Équilibre, si on a des sous, mais on va se le garder, on va se garder sous prestige et piété. Attendez, c'était combien qu'il me fallait? Ah, votre rang de dévotion, il est trop bas. Passer haut à déclarer la guerre au roi. Très bien. Donc implicitement, je fais partie de la guerre. Tout ça pour choper le royaume Bourgogne. Ok, attends, attendez, parce que là, il y a peut-être moyen de... Donc ça, c'est mon seigneur Lige. Je pourrais rejoindre la guerre pour gagner potentiellement. Je deviens plus proche et noué. Bon, certes, il n'est pas tout jeune. Il y a potentiellement un intérêt. Tu vois. Tout ça, on va le lever ici, ça revient au même. On va essayer de faire semblant de participer à la guerre. On va se rapprocher de lui, on va pas aller beaucoup plus loin et tenter de faire le nécessaire là-dessus. Voilà, en tout cas, on va se lâcher là-dessus, on va essayer de participer à une petite guerre, monter en prestige, et après continuer à évoluer comme ça, gagner de la piété, donc là, il faut monter le niveau de dévotion, il est très très dur à monter, et après, on devrait être plutôt tranquille. Voilà. J'espère que malgré... les difficultés, on arrive à proposer un contenu qui peut vous plaire et voir un peu plus les mécaniques pour ceux qui ne connaissent pas. Et sur ce, n'hésitez pas bien sûr à mettre le pouce bleu, à mettre un petit commentaire, etc., etc. Et on se retrouve lors de la prochaine vidéo sur la chaîne. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à la prochaine. C'était Cyril. Ciao, bye bye.